Ok, cool. Bonjour et bienvenue à cet appel opportunité d'Otera. Donc aujourd'hui, on ne va pas parler des produits, mais on va parler de l'opportunité, en quoi ça pourrait vraiment être quelque chose de merveilleux pour vous. Je sais qu'on a plusieurs profils de personnes différentes, j'imagine, ce soir à l'appel. Je vais déjà vous partager mon écran, comme ça on va lancer directement la présentation. Ok, là. Est-ce que ça s'affiche? Là, on est déjà un slide trop loin. Ok, donc voilà. Mon nom est Émilie Dedecker. Je suis leader Diamond chez doTERRA. Ça fait 3 ans que j'ai dit oui à cette opportunité avec toutes les peurs du monde, avec absolument toutes les croyances limitantes, en me disant « mais jamais je veux faire ça, jamais, jamais, jamais ». Donc voilà, je ne sais pas où vous vous situez aujourd'hui, sachez que c'est avec beaucoup de passion, d'authenticité, le plus de simplicité possible que je vais vous partager en fait en quoi ça pourrait éventuellement être quelque chose d'intéressant pour vous. Sachez que moi, si j'étais restée dans mes peurs, je me dis, mais où est-ce que je serais aujourd'hui? C'est vraiment la plus belle chose. C'est parti du fait que j'adorais les produits, j'adore les produits. Et donc, de là est née l'envie d'aller un petit peu plus loin. Donc, on va commencer aujourd'hui avec quelques faits, quelques chiffres qui viennent de Gallup. Donc, c'est une entreprise spécialisée en statistiques. Les chiffres datent de 2017. Donc, c'est sûr qu'ils ont vraiment augmenté depuis, sans aucun doute. Ils nous mentionnent que 51% des gens cherchent un nouvel emploi. Je pense qu'on est un petit peu plus élevé actuellement. 54% des mères préfèrent rester à la maison ou travailler de la maison. Moi, c'était ma constatation à l'époque. Je travaillais dans une entreprise de communication et je me souviens que je disais à mon mari, j'en ai marre d'aller déposer mes enfants à l'ouverture de la garderie et d'aller les rechercher à la fermeture de la garderie. Pour moi, je n'ai pas eu des enfants pour ça. Et je me souviens qu'il me disait, mais tout le monde fait comme ça. Je m'en fiche. Et donc, j'avais envie d'être présente à la maison. D'être là pour mes enfants. Et donc, je me rends compte qu'en fait, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de parents qui veulent la même chose. 95%, 95% des gens veulent travailler dans une compagnie qui partage les mêmes valeurs. Ça aussi, ça a été ma réalité. C'est qu'en travaillant dans une entreprise de communication, stratégie, voilà, c'est à un moment donné où c'est plus vraiment aligné avec les valeurs. Et donc, j'ai vraiment trouvé une entreprise totalement alignée avec ce que je recherchais dans la vie dans doTERRA. Il y a également une forte augmentation de gens désirant être rémunérés selon leurs efforts. Pas mal ça, hein, plutôt que d'être indexé une fois par année, éventuellement de quelques... peu. Donc voilà, est-ce qu'on peut juste être rémunéré en fonction des efforts qu'on va mettre dans notre entreprise? Maintenant, j'aimerais te poser quelques questions. De un, la première, pourquoi es-tu là? Pourquoi est-ce que tu as décidé de dire oui, je veux voir l'opportunité d'OTA? Est-ce que... Voilà, qu'est-ce qui t'a mené? Donc, n'hésite pas, j'allais dire, tu ne peux pas mettre pause sur la vidéo parce que je l'enregistre en vidéo, mais tu peux juste prendre un papier et écrire la question et prendre un moment après l'appel pour y répondre. C'est important. Je pense que souvent, on avance dans la vie sans se poser des questions fondamentales du pourquoi et du comment et de ce qu'on veut en fait dans notre vie. Et que souvent, on va avoir beaucoup de réponses qui vont venir une fois qu'on va se poser ces questions-là. Donc, pourquoi es-tu là aujourd'hui? Deuxième question, que souhaites-tu réaliser dans ta vie? Est-ce que tu as un rêve? Je te le souhaite, parce que si tu n'as pas de rêve, ben il serait temps de rêver. C'est vraiment essentiel. Est-ce que ta vie actuelle te permet éventuellement d'aller atteindre ce rêve? Que ce soit, je ne sais pas moi, voyager, prendre plus soin de toi, aller au spa, aller sortir plus le jour où on pourra ressortir. Je sais pas moi, t'as acheté certaines choses, acheté une maison, acheté un chalet, n'importe. Est-ce que tu as un rêve? Prends le temps de l'écrire aussi, après l'appel. À quoi aspires-tu? Donc là, je vais citer différentes choses. Il se peut que toutes ne résonnent pas avec toi. Est-ce qu'il y en a où tu te dis, tiens, j'aimerais vraiment tendre à ça? L'argent n'est pas une source de stress. Je n'ai pas de dette. J'ai beaucoup d'argent en épargne.
Je me sens financièrement préparée pour le futur. Je fais ce que je souhaite au niveau des voyages, au niveau de l'éducation, au niveau de ma vie personnelle. Je vis mes rêves. Mon travail me satisfait et m'inspire. Je passe suffisamment de temps avec ceux qui me sont chers. Je fais une différence au niveau de services que j'offre, au niveau des dons caritatifs. Donc, est-ce que tu couvres toutes ces choses-là actuellement dans ta vie? Et si pas, est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais? Est-ce que ça résonne en toi? Dernière question. C'est quoi ton plan? Donc, tu as un rêve, tu as ces aspirations. C'est quoi ton plan? Est-ce que tu as pensé à... Donc, le temps file. J'en prends conscience de plus en plus chaque jour. Et est-ce que tu as un plan pour aller atteindre ce que tu désires dans ta vie? Voilà. Après, on va parler un peu plus de l'opportunité. Donc, est-ce que l'opportunité est faite pour toi? On m'a posé la question aujourd'hui par mail, quelqu'un qui a envie de se lancer et qui me dit « Mais comment est-ce que je sais si c'est fait pour moi ?» Est-ce que tu penses jour et nuit au produit? Est-ce que tu penses jour et nuit? Ça, c'est déjà un bon indice généralement. Est-ce que tu désires gagner un revenu supplémentaire ou remplacer le tien totalement? Donc moi, même 2 ans, moi, j'ai remplacé nettement mon revenu que je gagnais à l'époque en agence. Est-ce que tu es passionné par la santé au naturel? doTERRA, c'est une entreprise qui est axée produit. Je n'ai pas de gens dans mon équipe qui rentrent uniquement parce qu'ils veulent faire de l'argent. Ça n'a pas... Voilà. C'est vraiment, j'aime les produits et j'ai envie de développer. Je vais juste regarder, je vois qu'il y a un message. Bonsoir. Bonsoir Gaëlle. Est-ce que tu souhaites plus de liberté dans ta vie? Cool ça quand même, hein, la liberté. C'est tellement cool d'être là pour mes enfants à 3h30, mais si on n'a pas d'enfants, est-ce que c'est juste une liberté de temps? C'est énorme. Est-ce que tu souhaites gérer ton temps comme tu le souhaites? Prendre un bain à midi comme j'ai fait aujourd'hui, c'est vraiment cool. J'aime beaucoup, c'est pas cool, mais j'aime regarder mes voisins partir au travail le matin et me dire « Ah tiens, c'était moi avant, c'est chouette. » Maintenant, juste d'avoir cette liberté de temps, ça ne veut pas dire que je ne travaille pas à fond. Je travaille à fond, mais je gère mon temps comme je veux. Est-ce que tu aimerais te gâter plus? Ça peut être n'importe quoi. Est-ce que tu aimes voyager plusieurs fois par année? Pour moi, ça a été un facteur extrêmement important. Étant donné que je suis de Belgique, mais ça fait 10 ans que j'habite au Québec, le fait de pouvoir travailler n'importe où dans le monde, pour moi, c'est exceptionnel. Je peux partir avec ma famille, voilà, n'importe où, on peut travailler. doTERRA est présent pratiquement à travers le monde. Est-ce que tu aimes les défis? Parce que oui, c'est une création d'entreprise, puis ça vient avec des défis. Il faut aimer les défis. Maintenant, un petit mot sur doTERRA. C'est qui doTERRA, l'entreprise? Donc, c'est la plus grande entreprise de compagnie d'huile essentielle au monde actuellement. Donc, ils ont dépassé absolument tout ce qui existe. C'est pas un hasard, c'est pas un miracle. C'est juste que ils sont excellents, tant au niveau de la qualité des huiles essentielles que dans le soutien qu'ils offrent aux gens. Leur idée, c'est vraiment d'amener les huiles dans les maisons et d'éduquer, d'aider les gens justement à les utiliser. C'est une entreprise de marketing de réseau, donc de vente directe. Et pourquoi est-ce qu'ils ont décidé de suivre ce modèle-là? Étant donné que c'est une entreprise qui a des valeurs extrêmement fortes, c'est impossible de transmettre toutes ces valeurs si jamais on met les bouteilles d'échantillons dans un magasin. D'ailleurs, doTERRA ne veut pas être vendu dans des grandes chaînes, c'est que dans des petits magasins éventuellement. Mais ils préfèrent vraiment que ce soit quelqu'un qui est passionné par les produits qui va transmettre ça directement aux gens. C'est une façon aussi d'éduquer les gens par rapport à l'utilisation des huiles essentielles. Ils sont sans endettement, donc avec aucun... je vais ouvrir la petite fenêtre. Hein. Je suis une grande passionnée de doTERRA depuis juillet. Merci à Sonia de m'avoir apporté toutes ces passions. C'est génial, cool. C'est une entreprise qui est sans dette. Aucun financement externe. Est-ce que vous imaginez aujourd'hui une entreprise aussi grande qui n'est pas cotée en bourse, qui n'a pas d'investisseur externe? Pourquoi? Ça veut dire qu'ils vont toujours rester alignés avec leurs valeurs. C'est la promesse qu'ils ont faite depuis le jour 1. Ça va faire 13 ans qu'ils existent. C'est extrêmement important. Ils n'ont pas de dette. Donc, ça veut dire que quand mon mari m'a dit en mars, écoute ma chérie, je pense que pour toi, ça va être fini parce que je faisais des ateliers en personne. Au final, ça a explosé comme jamais, notre entreprise. Donc, parce que les gens sont à la recherche de solutions naturelles.
Et doTERRA n'a pas de dette, il n'y a pas d'intermédiaire non plus avec leurs producteurs. Donc, ils vont chercher les plantes dans 40 pays à travers le monde. Ils travaillent avec des petites familles. Il n'y a pas d'intermédiaire. Donc, ça veut dire qu'il y a, au niveau de l'approvisionnement, tout se passe extrêmement bien. Ils ont des tests extrêmement stricts. Ce sont les huiles les plus testées. Puis, je peux vous dire que en étant arrivé il y a 3 ans avec des petites huiles en Belgique où il y a des bonnes marques d'huiles essentielles, hein, c'est sûr que je me dis, bon, on va voir si ça fonctionne. Et au final, ça a cartonné. C'était important pour les gens de comprendre qu'il y avait beaucoup de tests qui étaient effectués. Et puis, je l'ai montré à quand même beaucoup d'experts qui ont comparé et tout ça. Il y a une transparence qui est faite au niveau des tests. On peut voir ce qu'on a dans notre bouteille. C'est vraiment très important. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a un taux de rétention de 74%, 74%. Évidemment, ce taux de rétention va dépendre de vos habiletés, en fait, avec vos clients, comment vous allez partager et tout ça. Donc, ça peut dépendre au final de l'énergie que vous allez mettre aussi dans votre entreprise. Mais les gens aiment les produits et les recommandent. Voilà. C'est plus que des huiles. Parce que c'est sûr que si les gens, à un moment donné, les huiles, ils en ont beaucoup. Il y a beaucoup d'autres choses. Il y a des compléments, il y a des produits pour la salle de bain. Toute ma maison respire doTERRA. Il y a plein d'autres produits que les gens peuvent, au final, commander. Ça fait partie de l'industrie du bien-être, qui est une des industries qui est en plus forte croissance. Et c'est ça, je pense que les gens décident d'investir en eux maintenant. Et 80% des consultants inscrits sont toujours actifs. Donc, ça veut dire que des gens qui ont éventuellement débuté l'opportunité, à un moment donné, ils se seront peut-être rendus compte que ce n'était pas pour eux. Parce que oui, c'est créer son entreprise. Oui, ça demande de l'énergie. Ce n'est pas un truc miraculeux qui va faire que dans 2 mois, vous allez gagner 5 000 euros. Je vous le dis, vous allez travailler, vous allez construire votre entreprise. Et si vous faites les bonnes actions, ça va être très successful. Mais donc, il y a des gens qui démarrent et il se peut qu'il y ait des gens qui disent, ben voilà, ce n'est pas pour moi. Mais 80% des gens qui font ça, généralement, continuent à utiliser les produits parce qu'ils adorent. Voilà, c'est vraiment le cœur de l'entreprise. La mission et la vision d'ici 10 ans de doTERRA, ce n'est rien d'autre que changer le monde une goutte à la fois. Donc, c'est leur slogan. C'est vraiment d'inciter les hôpitaux à utiliser les huiles essentielles dans leur recherche. doTERRA a révolutionner le monde des huiles essentielles. Ils font beaucoup de partenariats avec des universités, avec des hôpitaux, pour la recherche. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'aller... D'ailleurs, ils ont créé leur clinique. Il y en a 3 actuellement, si je ne me trompe pas, qui sont ouvertes. Et l'objectif est d'en ouvrir bien plus. Ce sont des cliniques intégratives, donc où les médecins sont formés en aromathérapie. Parce que l'idée n'est pas d'être contre la médecine moderne, mais de quelle façon est-ce qu'on peut combiner les deux pour avoir un résultat exceptionnel. Donc, c'est vraiment ça l'idée de doTERRA. D'ailleurs, un des fondateurs de doTERRA, c'est un médecin. C'est d'inciter aussi les professionnels de la médecine traditionnelle donc à recommander les huiles essentielles, mettre une trousse d'huiles essentielles dans chaque maison. Moi, le fait d'être devenue la petite guérisseuse, la petite sorcière de la famille, j'adore. J'adore que mes enfants me demandent des huiles. C'est juste devenu la normalité chez nous. Et c'est ça l'objectif de doTERRA, c'est de mettre ça dans les mains de tout le monde. Et évidemment, aider les gens à réduire la dépendance aux médicaments qui est assez impressionnante, je vais dire. Je suis partie parfois en vacances avec des gens où je voyais c'était une valise de médicaments avec lesquels les gens partaient. Ok, est-ce qu'on peut revenir juste à des solutions un tout petit peu plus naturelles? Alors, doTERRA est fait pour qui? Eh bien, en fait, pour tout le monde. C'est sûr qu'on a une majorité de femmes, on ne va pas se le cacher. Mais je connais aussi plusieurs hommes qui le font. Qu'on soit déjà entrepreneur ou qu'on soit employé, qu'on soit maman à la maison, qu'on travaille à temps plein, à temps partiel, avec enfant, sans enfant, tout est bon. Tout est bon et donc, c'est juste de voir de quelle façon ça peut être intégré dans notre vie actuellement. Alors, petit comparatif que je trouve extrêmement pertinent, parce que moi, c'était ça aussi un de mes grands freins, c'est que je ne comprenais absolument pas le marketing de réseau. Pour moi, je voyais juste les ventes Tupperware, c'était à peu près tout ce que je connaissais, auquel je n'ai jamais participé, donc je ne savais pas trop. Et donc, je vais essayer de vous expliquer ça le plus clairement possible aujourd'hui. Donc, si on prend un emploi traditionnel, puis je l'ai vécu, puis j'imagine que pas mal d'entre vous le vivent encore ou l'ont vécu,
c'est qu'on échange nos heures contre de l'argent. Donc, je vais pas travailler, je suis pas payée, limite je suis payée peut-être que pendant quelques jours, mais à un moment donné, ça va devenir problématique. Je suis également professeure de yoga. S'il m'arrive quoi que ce soit, je peux pas aller donner cours, je suis tout simplement pas payée. Carrière et revenus limités, c'est, écoutez, je ne sais pas si dans votre entourage, vous avez beaucoup de gens qui, ça fait 25 ans qu'ils sont dans la même carrière, ou même 15 ans qu'ils sont dans la même carrière, puis ça devient morose, puis c'est ennuyant, puis plus aucune. J'ai tellement de gens, j'ai rencontré tellement de gens où tout devient, voilà, il n'y a plus de possibilité d'évolution, donc évidemment, il n'y a plus aucune stimulation, c'est pas agréable. Et ben, les revenus sont toujours limités. Je vois même mon mari, il a quoi, 42 ans, psychologue dans une clinique, il plafonne. Il peut pas aller au-dessus. Donc, c'est ennuyant quand même à un moment donné parce qu'on a besoin de challenge en tant qu'être humain. On a besoin d'évoluer, c'est important. Dépend de la vision de l'employeur. Moi, je suis quelqu'un de, vous l'entendez peut-être quand je parle, mais je suis à fond. Donc, quand j'arrive dans un nouveau travail, je suis toujours super excitée et puis on a envie de changer les choses, on a envie de faire mille projets. Et à un moment donné, on dépend de la vision de l'employeur. Donc, petit à petit, on se dit, en fait, on arrête, puis on s'éteint petit à petit, éventuellement. Prérequis, éducation coûteuse, c'est sûr. Faire l'université, faire des études qui vous ont amené à votre métier, ça va vous demander un investissement. Et la liberté, clairement, est extrêmement limitée. Hein, 2 semaines de vacances au Québec. Voilà, c'est très cool. Youpi. Donc, si on prend le marketing de réseau maintenant, revenu résiduel réel et durable. C'est quoi le revenu résiduel? C'est qu'à un moment donné, quand on a construit notre équipe, hein, d'ailleurs, j'ai plusieurs belles personnes de mon équipe qui sont là ce soir, eh bien, les choses roulent. Chacun mène son entreprise, chacun a ses propres objectifs. Ce qui fait que la vie a fait que cet été, j'ai dû mettre mon entreprise un peu, voilà, j'ai pu être moins présente. Les choses ont continué à tourner, mon salaire n'a pas changé, c'est ça le revenu résiduel. Okay? On ne sait jamais de quoi la vie est faite. Objectif et revenu potentiel illimité. Illimité, selon vos envies. Vous pouvez toujours faire de terrain d'une autre façon, vous pouvez toujours évoluer, vous pouvez toujours gagner plus. Donc, on reste tout le temps dans la motivation. Ça va dépendre de votre vision et de votre motivation. Le message qu'on m'a dit dès le début quand j'ai commencé, c'est on a tous le même produit, tous la même entreprise, la seule chose qui change, c'est toi. Donc, si tu échoues, ça va être à cause de toi. Donc, à partir de là, ça m'a donné une motivation énorme pour réussir. Et j'ai eu des échecs et j'ai eu des choses qui n'ont pas fonctionné, évidemment. Mais je me suis dit, ok, c'est qu'il faut que je m'améliore. Et ça dépend de ma vision. Voilà. Pas de prérequis ou d'éducation. Vous avez accès à l'éducation continue. D'accord ? Tout est là. Tout est gratuit. Une fois que vous avez les huiles, dans le collectif essentiel, on a énormément de contenu éducatif à offrir. Et il n'y a pas de prérequis. Que vous ayez fait des études, pas fait d'études, que vous ayez de l'argent, que vous n'ayez pas d'argent, que vous viviez n'importe où dans le monde, quelle que soit votre couleur, il n'y a pas de prérequis. Il faut juste de la motivation. Voilà. Et avoir envie d'apprendre et être en mesure de se remettre en question. Liberté de choisir votre emploi du temps. Ça, je vous en ai déjà parlé. OK. Si on compare maintenant création d'entreprise traditionnelle versus marketing de réseau, entreprise traditionnelle, je pense qu'il y en a qui pourront témoigner ici sur la peine, qui l'ont fait, mise de fonds et investissement financier important. Moi, c'est ce qui m'a toujours arrêté dans la création d'entreprise, c'est que, j'avais peur. J'avais peur de tout l'investissement que ça représentait. Gestion de personnel, hein, moi, je connais beaucoup de créateurs d'entreprise. Mon fils va rentrer, donc je vais juste mettre les écouteurs. La gestion de personnel, vous m'entendez toujours? C'est bon? Ouais, OK. C'est qu'à un moment donné, au lieu de faire ce qu'on aime, on se retrouve à faire des ressources humaines. On doit gérer le personnel, on doit payer du personnel. Voilà, tout ça, c'est quand même extrêmement cher d'engager des gens. Rentable dans les 5 ans de sa création, ça peut varier entre les 3 à 5 ans, mais généralement, quand on démarre son entreprise, ça va être ça. Investissement en temps important, on investit énormément de temps pour pas ou peu de retour. Création d'une image de marque, il faut tout faire de A à Z. Ton site web, ton logo, tout pour créer ta marque.
trouver des distributeurs, coût de fonctionnement élevé, ben oui, est-ce qu'il faut avoir du stock? Est-ce que tu dois avoir un magasin, un local, plein de choses. Moi, je suis dans ma maison, je suis dans une petite pièce dans ma maison, et voilà, that's it. Si on compare ça maintenant au marketing de réseau, ça va pour mon petit cours devant la fenêtre. Salut chérie. Investissement de départ minime. Moi, j'ai acheté un kit d'huile essentielle, et voilà. Ça va prendre une commande LRP, j'en parlerai après, par mois, à partir du moment où vous voulez commencer à toucher des commissions avec doTERRA, qui ne représentent absolument rien versus ce que vous pouvez gagner et si vous pensez au fait que c'est vraiment une création d'entreprise. Chaque bâtisseur est autonome. Chaque personne dans mon équipe est autonome. C'est sûr qu'on est là pour les aider, pour les accompagner, pour les lancer et tout ça, mais le but, c'est que chacun soit autonome et crée sa propre entreprise. Revenus possibles dès le début de vos activités. C'est sûr, on ne va pas se le cacher, vous allez mettre beaucoup d'énergie pour peu de revenus au début. Voilà. Après, si vous voulez vraiment que ça fonctionne, eh bien, il y a une commission qui est versée toutes les semaines. Vous pouvez rapidement aller chercher un revenu pour rentrer dans vos frais et puis de plus en plus. Investissement en temps adapté à votre réalité selon vos objectifs. J'ai des gens dans mon équipe qui travaillent temps plein, qui ont des enfants. Donc, ils vont libérer certaines heures par semaine pour développer ça. Il y a des gens qui font ça à temps plein, à mi-temps. C'est vraiment à vous de voir, c'est à vous de choisir. Il n'y a pas d'obligation de vendre par mois ou quoi que ce soit. C'est vous qui choisissez ce que vous avez envie de faire. L'image de marque est déjà créée, elle est belle, on adore les bouteilles, on adore les designs de doTERRA. Tout est là, tout est là. Réseau de distribution déjà existant, c'est votre réseau. C'est votre réseau, c'est vos amis, c'est votre famille, c'est les amis des amis, mais voilà, petit à petit comme ça. Et le coût du coût de fonctionnement en tant que tel, ben, il est faible. Comme je vous disais, je suis dans mon bureau, ça me prend une connexion Internet, et voilà. Alors, si vous êtes encore là, c'est que c'est bon. Il y en a 11 personnes sur l'appel. Accrochez-vous. On va, ben, en fait, je vais être assez bref sur ce sujet parce qu'on a des appels détaillé là-dessus. Là, l'idée aujourd'hui, c'est que vous ayez une idée globale de ce que c'est l'opportunité doTERRA. Et après, si vous dites, OK, vraiment, ça me parle, eh bien, on pourra vous envoyer des infos supplémentaires. OK, il y a 5 types de rémunération chez doTERRA. La première, la vente au détail. On ne va pas utiliser ça parce que c'est, moi, je ne veux pas gérer de stock et je n'ai pas envie de vendre un et puis... au final, c'est toujours mon temps contre de l'argent. Les 4 autres, ça m'arrive de le faire, par exemple, avec des mamans de la garderie ou voilà, des petits trucs comme ça, mais c'est extrêmement rare. Deuxième type de bonus, de commission, et les 5 sont cumulables. Okay, donc, ça, c'est important à comprendre. Le pouvoir de 3, un bonus qui est payé en fonction de la structure de votre organisation. Donc, si on est en Europe, ça varie entre 40 euros et 1240 euros. OK? Donc, en fonction de votre structure, si on est au Québec, c'est quand même beaucoup plus élevé parce que c'est 50 dollars US. Donc, on va toucher, c'est ça, plus. On est presque au plus élevé à 1900 dollars, juste pour ce bonus-là. Et c'est vraiment en fonction de votre structure. Le Fast Start, ça, c'est la façon de démarrer le plus rapidement possible. C'est-à-dire que c'est payé chaque semaine. Vous allez toucher 20% sur les ventes que vous allez faire. Donc, imaginons... Johan, vendez un kit à quelqu'un, vous allez toucher 20% sur cette commande-là. Eve, via qui vous avez découvert doTERRA, va toucher 10%. Et Pascal, via qui Eve est rentrée dans doTERRA, va toucher 5%. Ça, c'est ce qu'on appelle le fast start, d'accord? Et c'est ce qu'on va toucher pendant les 60 jours de vie d'un client. Donc, c'est vraiment en fonction de vos actions, des partages que vous allez faire. Le Unilevel. Est-ce que quelqu'un me pose une question? Non, c'est bon. Okay. Le Unilevel que j'ai écrit, très bien, voilà. Ça va être votre revenu résiduel. Vous allez voir sur le schéma à la page d'après ce que ça représente. C'est en fonction de la cohésion, du travail d'équipe vraiment au sein de votre organisation. Donc, plus votre organisation va prendre de l'ampleur, plus vous allez bien la structurer. Et bien, vous voyez ça vraiment comme votre entreprise. Plus votre Unilevel va grandir de mois en mois en mois. Et finalement, il va y avoir un bonus de rang. On fonctionne avec des rangs dans doTERRA, donc on va atteindre selon notre volume mensuel et il va y avoir un bonus à partir de certains rangs.
Maintenant, vous allez voir l'évolution de ces bonus. OK, plan de compensation. Excusez-moi, j'essaie de vous cacher. Vous pouvez décider, et rien n'est coulé dans le béton, donc vous pouvez décider, par exemple, aujourd'hui, de vous dire, ben, moi, j'ai envie de payer pour mes produits parce que j'adore ça, puis voilà, j'ai envie de partager un petit peu. Vous pouvez décider de complémenter ouais, votre revenu, ou vous pouvez décider de le remplacer et de le multiplier. Il y a des gens qui disent au début, mais moi, je veux payer pour mes produits et qui finissent par le remplacer et le multiplier. Donc, c'est vraiment très libre à vous. Pour vous, vous allez avoir un revenu mensuel approximatif. C'est approximatif parce qu'il y a plusieurs bonus qui rentrent en compte. Je vais vous expliquer. OK, non, pardon. Excusez-moi. OK. Donc, par exemple, ben, moi, j'ai atteint Diamond en 2 ans et demi. Il y a des gens qui vont atteindre Diamond en 1 an et du coup, qui vont pas encore avoir une énorme structure et il se peut que leur premier chèque de Diamond soit un peu moins élevé. Ça vient alors avec le temps. Donc, c'est vraiment une estimation. On voit qu'en mauve, ici, on a le Fast Start. En bleu, le pouvoir de 3. En vert, vous voyez, c'est ça que je vous disais, le Unilevel avec le revenu résiduel qui augmente de plus en plus. Et le bonus de leadership. Donc, ça va vraiment être ces deux commissions-là qui vont être votre revenu sur le long terme. Ici, un petit tableau rapide pour vous donner une idée en fonction des rangs, ce que vous pouvez toucher sur le plan mensuel. Je suis désolée, je pensais qu'il n'y avait que des gens de l'Europe aujourd'hui à l'appel. Donc, si jamais vous voulez avoir les chiffres québécois, c'est sûr qu'après canadien, je vous les partagerai. Est-ce que, par exemple, vous pouvez imaginer être dans les 63% des gens qui démarrent dans doTERRA, qui vont atteindre le rang de Silver, et ça équivaut environ à un revenu mensuel de 1 802 €. Okay? On a le revenu ici annuel. Les revenus sont en fonction de vos efforts et aucune limite, comme je disais, dans la progression. Quand on est dans les rangs un peu plus élevés, donc on a Platinum, Diamond, Blue Diamond, Presidential Diamond. Donc Diamond, si on voit Diamond, vous voyez que ça peut varier entre 150 000 annuels et 300 000 annuels, et qu'on a 8% des gens qui arrivent. L'autre chose qu'on m'a dit dès le départ, quand j'ai commencé doTERRA, la seule façon de ne pas réussir dans doTERRA, c'est d'arrêter. Il se peut que notre chemin soit semé d'embûches, qu'on ait beaucoup de croyances limitantes, tout le monde en a. En quoi est-ce que vous allez être capable de passer au-dessus et de travailler sur vous, et de dépasser ça, et d'aller atteindre les 8% qui y arrivent, et qui n'abandonnent pas avant, qui décident de fermer leur entreprise, ou quoi que ce soit. Pensez vraiment, moi, c'est un message qui m'a accompagné dès le début. La seule façon de ne pas réussir, c'est d'arrêter. Donc là, ça vous donne une idée des petits revenus. OK, il y a 3 voies possibles chez doTERRA. La première, c'est les clients. On adore les clients. 85% des gens, généralement, dans doTERRA sont clients. Ils adorent les produits. Ils ont fait une transition. Voilà, ils les utilisent chez eux. On a beaucoup, beaucoup d'éducation pour ces personnes-là, comme je disais. Le deuxième type de personnes, ce sont des partageurs. Partageurs, ce sont des gens qui adorent les produits, évidemment, et qui pensent toujours à des gens dans leur entourage qui pourraient bénéficier des huiles et donc qui partagent autour d'eux, qui éventuellement invitent des gens à mes webinaires ou à ceux de la personne qui vous a invité à cet appel. Et donc, ça va permettre en fait à ces gens soit d'aller chercher des produits gratuits, soit éventuellement un petit revenu supplémentaire pour payer pour ses produits ou un peu plus. Et le troisième type de personnes, ben, c'est des gens comme moi. C'est des gens qui sont bâtisseurs, qui ont décidé d'en faire une activité professionnelle, soit à mi-temps, soit à temps plein. J'ai par exemple des gens qui sont coachs dans mon équipe et qui n'ont absolument pas envie d'arrêter leur travail de coach, mais qui utilisent doTERRA aussi comme un outil de liberté, en fait, pour ne pas toujours avoir ce stress d'échanger du temps contre de l'argent. Et donc, moi, par exemple, je fais ça à temps plein. Donc, bâtisseurs, c'est plus des gens qui, à un moment donné, ont envie d'avoir une équipe, ont envie d'accompagner d'autres personnes dans cette transition-là. Donc, quel que soit votre choix, eh bien, on a de quoi vous accompagner. Maintenant, concrètement, pour se lancer, qu'est-ce que ça prend? Donc ici, désolée, j'ai mis en euros, mais on a les versions aussi canadiennes. Ça prend, comme je vous disais, un kit de départ. Donc là, je commence directement par un des plus gros et puis je vais aller vers les plus petits. Pourquoi est-ce que je commence par les plus gros? Parce que si vous désirez vous lancer en affaires avec doTERRA, c'est définitivement la solution la plus intéressante. Ce n'est pas du tout obligatoire, c'est selon vos envies. Mais vous allez voir, je vais vous expliquer en quoi c'est le plus intéressant.
Donc ici, on a la collection de toutes les huiles. D'accord ? Elle vaut, donc elle est au coût de 2106 euros. Ce qui est intéressant avec celle-là, c'est que vous allez directement avoir toutes les huiles. Pourquoi est-ce qu'on veut ça ? C'est parce que vous allez réussir à faire vos expériences et que ces expériences, vous allez réussir à les partager avec les autres. Voilà, on veut être des amoureux des produits. Il va, ce qui est chouette avec ça, c'est que vous allez récupérer 200 PV. 200 PV, c'est la monnaie doTERRA, ça équivaut environ à 200 euros ou 200 dollars US par exemple, que vous allez pouvoir acheter en produit gratuit. Donc avec ce kit, vous recevez 200 PV et vous arrivez directement à 20% au programme de récompense. On a un programme de récompense chez doTERRA dans lequel vous allez récupérer normalement 10% au début. Là, vous arrivez directement à 20%. Donc c'est extrêmement intéressant. Le deuxième kit, pour moi, c'est celui vraiment, c'est le plus intéressant si vraiment vous estimez que vous voulez en faire un travail. C'est la collection business qui comprend, là vous vous souvenez, c'était 2100 et quelques, l'autre kit. Ici, c'est 2790, donc 2790. Vous allez avoir la collection de toutes les huiles qu'on a vues précédemment, plus tous les autres produits de la gamme de doTERRA. C'est juste exceptionnel, vous allez pouvoir tout tester. Vous faites une économie de 1100 euros. Donc, je ne sais pas si vous imaginez, mais si on voit que c'est une création d'entreprise, que ça me coûterait de créer une entreprise traditionnelle versus ça, ben, ça vaut la peine. Vous récupérez 400 PV et vous arrivez directement à 25% dans le programme de récompense. Le maximum du programme de récompense, c'est 30%. Si vous dites, OK, ben là, c'est quand même un grand budget pour moi et tout ça, je comprends, comme je disais, il n'y a aucune obligation. Il y a le kit des solutions de la nature qui comprend quelques produits de chaque catégorie doTERRA. Donc ici, on va être à 687 euros. Et dans ce kit-là, ben, vous avez un peu de compléments, un peu d'huile essentielle, quelques produits pour la salle de bain. Vous allez récupérer 100 PV et vous arrivez directement à 15% dans le programme de récompense. Je tiens à le dire parce que je ne vous l'ai pas dit, mais si vous avez déjà des huiles doTERRA et que vous avez déjà un kit chez vous, vous n'avez pas besoin de reprendre un kit, vous pouvez en reprendre un, mais vous avez déjà ce qu'il faut pour vous lancer. C'est important juste d'avoir un compte. Hein, voilà. Et finalement, ben, il y a trois plus petits kits qui sont des kits en fait, qu'on vend généralement à nos clients. Les essentiels de la famille, qu'on appelle aussi Family Essential, les essentiels de la maison. Donc ça, c'est avec les 10 huiles les plus populaires chez doTERRA en format 5 ml, format 15 ml ici pour le Home Essential. Et il va y avoir les saines habitudes de vie qui mélangent huile essentielle et complément, un kit que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. Donc, vous voyez qu'il y a du choix. Alors, ma question, oh ben dis donc, c'est bien trouble ça. Et maintenant, ma question, c'est est-ce qu'on travaille ensemble ? Est-ce que ce que je vous ai partagé aujourd'hui, vous sentez qu'il y a un petit truc là qui vibre ? Moi, c'était comme ça, j'avais comme un petit truc qui vibrait, mais avec beaucoup de peur. Donc, s'il y a quelque chose qui vibre, ben, n'hésitez pas à en parler à la personne, ben, soit à moi, si c'est via moi. Il y a mon fils qui a sa tête. C'est très difficile de se concentrer. Soit à la personne qui vous a invité à l'appel, vous dites, ben voilà, je sens qu'il y a quelque chose qui m'appelle ou qui me parle. Voilà mes peurs ou voilà, je suis all-in et tout ça. Donc, partagez ça avec cette personne-là. C'est quelles sont les étapes? La première chose, c'est de découvrir votre pourquoi, la question que j'ai posée au début. Pourquoi est-ce que vous êtes là? Pourquoi est-ce que vous avez envie de faire doTERRA? C'est très, très important parce que c'est ça qui vous permet de passer éventuellement les coups durs parce qu'on crée notre entreprise. Donc, il faut se gérer tous les jours et voilà, avoir de l'énergie. Achetez votre ensemble de départ. Donc, si vous avez déjà un compte, comme je disais, c'est bon. Si jamais vous n'avez pas encore de compte, ben, ce serait le moment de l'acheter. Faire votre plan de formation. Donc, on a des guides, on a des modules, on a des groupes Facebook, on a des challenges, il y a plein de choses. Et votre contact, en fait, va pouvoir vous accompagner, en fait, là-dedans. Vous allez appliquer petit à petit les enseignements appris. C'est extrêmement important. Vous ne voulez pas réinventer la roue. On se base vraiment sur un modèle de duplication. Il y a une recette gagnante chez doTERRA. Suivez-la. Et je vous conseille fortement de choisir une semaine de lancement durant laquelle vous allez faire avec votre contact doTERRA, je vais l'appeler comme ça, quatre événements. Pourquoi est-ce qu'on veut faire ça? C'est parce que je vois tellement de gens qui restent tellement longtemps bloqués dans la phase d'apprentissage et j'apprends et je lis tout et il n'y a pas d'action. Sauf que la meilleure façon d'apprendre, ben, c'est d'être dans l'action. On fait nos erreurs, on apprend et on va de l'avant. Et donc, ça vous permet de créer un momentum puis vraiment de lancer votre entreprise.
Évidemment, ce n'est pas vous qui devrez animer ce webinaire ou cet atelier. Il y a vraiment une personne qui sera là pour vous accompagner, sauf si vous désirez le faire vous-même, bien sûr. Et c'est parti. That's it. J'arrive à la fin de ma présentation. Je vois s'il y a des petits commentaires. N'hésitez pas à vous démuter si jamais vous avez des questions, des commentaires, si jamais ça vous plaît aussi. Alors, j'ai Eve à titre indicatif, 2 106 €, c'est 3 279 $. Merci, merci. Ok, est-ce que ça vous a parlé? C'était... Ouais, il y en a plusieurs qui ont déjà dit oui à l'opportunité ici. Hein. Johan, ouais. Gaëlle, je te vois pas, mais voilà. Je te laisserai contacter Sonia directement. Je vais arrêter d'enregistrer. Est-ce que quelqu'un a une question?